Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, amour et tu Star, vous allez bien? Pardon. Alors, donc, c'est un rituel pour un retour, pour récupérer vraiment le couple et la personne avec qui vous êtes. Donc, n'oubliez pas que si vous voulez des rituels personnalisés, vous me contactez uniquement sur ce WhatsApp et cet email uniquement. Pas sur Instagram, ni sur Facebook, ni rien du tout, ni TikTok où je suis pas du tout. Donc, contactez-moi uniquement par ici. Alors, je vais vous dire ce dont nous aurons besoin. Nous aurons besoin d'un bic. Nous aurons besoin d'une bougie. Bougie blanche ou rouge, je vous ai déjà expliqué hein, pour les bougies. Si vous n'avez pas de rouge, vous prenez une blanche et une blanche fera l'affaire. Ça peut être des bougies chauffe-plat ou des bougies plus fines et plus longues. C'est comme vous voulez. Alors, on aura besoin de cannelle. Voilà. Et on aura besoin de fil rouge. C'est du fil à coudre ou, d'ailleurs, j'en ai encore ici, si jamais j'ai pas assez. Ou du fil de laine, comme vous voulez. Mais ça doit être rouge. Alors, le fil couture ici, hein, qui est plus fin, ça c'est... Parfait, parfait, parfait également. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va allumer d'abord la bougie pour vraiment, pour ce rituel, pour lui donner vraiment une bonne, bonne, bonne énergie. Et ensuite, vous verrez. Alors, dès qu'on a allumé la bougie, avant de continuer, je voudrais vous montrer donc le tout nouveau livre de rituel d'amour que vous trouverez sur Amazon ou en description sous la vidéo ou en premier commentaire. Sinon, vous tapez Paraquet sur Amazon et vous trouverez. Donc, il y a aussi la formation Loi d'attraction. C'est un livre de coaching. Vous aurez aussi d'autres rituels. Donc, c'est une collection. Hein. Voilà, rituels d'amour, d'autres rituels. Ça, ce sont des rituels plutôt anciens. Et donc, nous avons aussi... Comment devenir une femme fatale en 21 jours et comment sortir d'une relation avec quelqu'un qui manipule. Tout ça, tous ces livres vous servent pour les rituels. Hein, parce que il faut se débarrasser des choses toxiques, surtout. Si vous faites des rituels et que ça ne fonctionne pas, c'est que vous avez encore trop. Je l'ai déjà expliqué sur d'autres vidéos. On a tous une boule d'énergie négative et une boule d'énergie positive. On dit la boule d'énergie négative et noire, et boule d'énergie blanche, d'énergie positive et blanche. Et en général, c'est la boule d'énergie noire qui est plus grosse que la boule d'énergie blanche. Et donc, ce qui fait que la boule d'énergie noire, le négatif, mange le positif et gagne toujours. Donc, il faut petit à petit faire grandir, grandir, grandir le côté positif. D'ailleurs, tout est expliqué dans la formation Loi d'attraction. Prenez vos masterclass gratuites hein, sous la vidéo dans la description. Allez, on continue. On allume donc bougie. On va prendre aussi, j'ai oublié de dire, le papier. Un papier. On va déchirer les bouts. Voilà. Pour ce rituel, il faut déchirer les bouts. Ce n'est pas sur tous les rituels. Hein. Donc, quand je ne le fais pas, ne le faites pas. Hein. Quand je fais des rituels, d'ailleurs, regardez-le bien 2-3 fois avant de le démarrer. Et ensuite... eh bien, vous pourrez démarrer le rituel, comme ça vous êtes dans une bonne énergie. Mais juste une chose pour ceux qui me suivent, d'ailleurs, pour savoir ceux qui suivent vraiment, mettez en commentaire méditation. Je veux ouvrir un nouveau canal de musique, de méditation et d'autres musiques qui sont assez, comment dirais-je, un peu aussi comme des rituels. Et si vous les écoutez, surtout avant de dormir, eh bien, ça va vous aider vraiment pour les rituels. Je vous le mettrai, ça va être bientôt, je vais commencer d'ailleurs, je crois que je vais commencer à mettre le lien dans la description. Sinon, enfin, soyez au courant, je vous l'annoncerai surtout dans l'onglet communauté aussi. Alors, on a déchiré le papier. Vous allez écrire, donc, d'un côté, le nom. Je vais prendre ça, sinon ça ne fait pas bien. Nom, prénom, trois fois,
sur le papier. Je vous le montre ensuite. Pour ça, prenez votre temps. Voilà. Donc, vous voyez, vous mettez le nom et prénom. Ici. Voilà. Trois fois. Nom, prénom, nom, prénom, nom, prénom. Voilà. Ensuite, on va tourner le papier de l'autre côté et on va mettre « Viens à moi ». Je pense que je vais recommencer les lives. Je porterai un masque parce que j'ai des implants en fait et il y a deux, trois implants où je n'ai pas de dents. Je ne peux pas mettre de dents pendant 3 mois. Donc, c'est un peu chiant, mais bon, c'est le prix à payer. Et donc, je pense que je vais quand même faire les lives, même si je porte un masque ou si je me cache, je serai avec vous. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, même si je me cache, mais que je suis avec vous en live. Est-ce que ça vous ferait plaisir pour répondre à toutes vos questions, à tous vos doutes, à vous apprendre encore d'autres choses? Et donc là, on met « Viens à moi ». Alors, n'oubliez pas que si vous voulez me joindre pour des rituels personnalisés, c'est par ici, uniquement sur WhatsApp et cet email. Vous pouvez faire une écran capture, un écran capture ou le noter, mettre sur pause et noter. Voilà. Donc, on a donc le papier avec nom, prénom 3 fois. D'accord? Et de l'autre côté, viens à moi. Alors, ensuite, on va mettre le cannelle. La cannelle sur les prénoms et noms. D'accord? Ici. Oh là là, il y a trop qui est sorti. J'en ai mis un peu trop, mais c'est pas grave. Et on va, donc comme d'habitude, faire avec son doigt. Le doigt, si vous êtes gaucher, vous faites avec cet index. Si vous êtes droitier, c'est avec celui-là. Alors, et on va mettre la cannelle, on va tourner sur le papier. On fait bien pénétrer la cannelle, n'importe quoi. Donc, sur tout ce que vous avez écrit, hein. Surtout, donc sur toutes les lettres. Toutes les lettres. Ensuite, vous allez faire ça pour pas qu'il y ait de la cannelle. Et vous allez rouler le papier comme ceci. Vous l'enroulez. Alors, je vous montre ça. Vous l'enroulez bien. Voilà. Comme ceci. Vous voyez, ça fait ça. Et ensuite, vous allez quand même le plier pour pas qu'il se déroule. Et c'est là qu'on va prendre le fil rouge. Je prends celui-là parce que je ne crois pas que. Quoique, il y a peut-être. Si. Je pense que j'ai assez avec celui-là. Voilà. Et vous allez rouler, enrouler le papier. Une fois, deux fois, trois fois. Ensuite, vous allez faire un nœud. Voilà. Faites un nœud. Le premier nœud, il ne compte pas, hein, vous savez. Hein. Alors, ici. Voilà. Donc on a ça, on se retrouve avec ça. Et donc vous allez faire premier nœud et dire le prénom et le nom de la personne, Pierre Dupont par exemple, viens à moi. Et vous serrez. Pierre Dupont, viens à moi. Hop. Pierre Dupont, viens à moi. Oups. Voilà, donc 3 fois. Ensuite, vous allez prendre le papier dans les mains. Vous pouvez couper ici, hein, si c'est trop long. Et vous allez visualiser que la personne revienne. Voilà, bien ça. Alors, vous allez le laisser 7 jours et 7 nuits. Vous allez le garder sur vous. Quand vient la nuit, vous le mettez sous votre oreiller. Quand c'est le matin, vous le reprenez, vous le gardez sur vous toute la journée. Attention, il faut bien faire ça pour que ça fonctionne. Donc, je répète, vous le gardez sur vous toute la journée, dans votre sac, dans votre poche, où vous voulez. Quand vient la nuit,
Vous le mettez sur votre oreiller. Quand vient le matin, vous le reprenez et vous le gardez avec vous 7 jours, 7 nuits. Et ensuite, ce papier, vous allez le jeter dans la poubelle. Quand les 7 jours et 7 nuits sont passés, vous jetez dans la poubelle et vous sortez votre poubelle le soir. Et c'est comme ça que ce rituel va continuer en plus à agir. Les rituels continueront à agir. Mais si jamais ça ne... c'est compliqué pour vous, eh bien n'hésitez pas à me contacter, je ferai des rituels pour vous. Tous les rituels sont personnalisés et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications parce que je vois encore des gens qui regardent la chaîne et qui ne sont pas abonnés ou qui n'ont pas activé les notifications. Il suffit d'un seul rituel. Allez, on se retrouve pour un prochain rituel et un live. Bisous, bisous. Donc les lives, ce sera le mardi, le jeudi et le samedi.